Attends, l'œil. Je suis pas prête, Mélina. Je peux plus porter quoi que ce soit d'autre. Tu veux ça, le tonnerre, ma propre marque. Les amis, vous avez été nombreux à vous procurer les premiers vêtements sur le tonnerre. Je vous remercie. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est l'objet de la dernière vidéo. J'ai sorti ma marque. L'objet de l'avant, dernière vidéo. Non, c'est la dernière. La dernière. Enfin, c'est la dernière. Elle se porte très très bien. Donc je voulais vous remercier, l'accueil a été excessivement positif, les gens kiffent et tout. Moi je me chie dessus, normal, t'as vu. Non, vous avez été nombreux à apprécier, je suis très content. Donc mes vêtements Soul Toner, c'est le nom de ma marque. Il y a plein de valeurs qui sont défendues derrière. D'ailleurs ce nom, il y a le fait de mettre en avant votre âme à vous, votre individualité à vous, de révéler votre potentiel. Vous êtes bizarre? Très très bien, faites-en une carrière. Moi c'est ça que je vais faire en tout cas. La marque est entièrement vegan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une souffrance animale, ok? Il n'y a pas un petit pas de lapin, il n'y a rien. Tout est végétal, veggies, vegan, véganisé. T'as un problème toi? Mais vas-y, exprime-toi. Quel est le problème? Moi je suis juste la bugger. Oh toi, t'es bugger. Comment j'ai bugué? Ouais, tu vois, si j'étais comme toi, je t'aurais fait. Juste parce que t'as bugué. Mais apparemment, l'ouzon sommet n'a pas le droit d'être un être humain. Mais j'ai pas le droit. Moi je dois être parfait. Déjà, je dois être musclé. Je suis vegan, je perds mes muscles, blabla, machin. Non, j'ai pas le droit. Bravo, Mélina. Ouais. Allez, on t'écoute. Ouais. Non, mais je sais quoi. J'essaye d'occuper le terrain, je sais plus ce que je veux dire. Pour l'instant, il n'y a que ce modèle-là, il est disponible encore dans toutes les tailles, donc ça défile sur votre écran. La modèle que vous voyez s'appelle Nina, elle a un Instagram, allez voir, elle fait plein de photos très artistiques, je vous invite à vous abonner directement à son compte pour voir ce qu'elle fait. Bientôt, il y aura d'autres modèles, bientôt les mugs sortent aussi, parce qu'il y a aussi des mugs, c'est pas qu'une marque de vêtements, c'est une marque de plein de choses, en fait, c'est une marque d'éléments, des articles quoi, qui tous comporteront un message, une valeur, un truc, parfois comique, et parfois on assemble tout ça. Les amis, pour vous entertainer, pendant que je suis pas trop actif sur YouTube, parce que je travaille sur mon nouveau book de recettes, des recettes 100% végétales, low fat, low carb, low calorie, ok? Vous mangez ça, vous mincissez, boum, abdominaux. Parfois, je ne sais pas comment ponctuer mes phrases. Je suis très actif sur Instagram. Ah, de son sommet, ok, venez, il y a de la bouffe comme jamais. Je pousse des hurlements dans chaque story. Certains trouvent ça drôle. Moi, en tout cas, oui, ça me suffit. Et il y a mon designer, Naoufel, qui est venu me rendre visite l'autre jour. Observez ceci. Fais un swipe, comme ça, tu sais. Avec, tu sais. Ouais. Putain. D'un coup d'un seul. Oh putain. D'un coup d'un seul, Mélina. Qu'est-ce qui arrive quand on ne pas pendant un mois? J'arrive pas à fixer cette putain de caméra de mes. Capte les rayons du soleil. J'ai trop chaud, mais. Il a l'air tellement heureux. Hey, tu m'abuses. Ça marche? Ah, j'étais sympa. J'ai rencontré un gars par hasard. Ouais. Qui s'appelait Didier? Non, il s'appelait Bonon. Tu mets une chance sur deux. Donc quand tu fais tes recettes, tu prends une recette et tu en fais 5 exemplaires, tu en choisis une ou tu passes comment? J'ai pas bien compris ta question. Le premier coup c'est la bonne ou tu fais plein de tests pendant une semaine pour tester la recette? La plupart c'est bon du premier coup parce qu'il se trouve que je suis pas mauvais. Et parfois je teste et... Ah, c'est mauvais. Ouais. Parce qu'en fait ça s'avère être une mauvaise idée, même des fois avant même de la faire je me dis non, pourquoi j'écris ça? C'est je crois que t'as du stock chez toi. Bien sûr, j'ai du stock. T'en veux? Ouais. On fait des petites ventes. Hello. Bienvenue. Bonjour. C'est naturel comme façon de rencontrer quelqu'un. Mélina Naoufel. Ça va, t'es à l'aise? Ça la met mal à l'aise de se mettre mal à l'aise. Moi, je suis foutu avec des gens comme vous voulez. Tu fais quelle taille, Naoufel? S. Non. Tu shredded là, t'es pectant, regarde. Regarde, il y a quelque chose là. Non, tu pousses. Non. Tu tires alors, parce qu'il y a du biceps. Le business est de proximité. Les gens viennent directement dans ma cabine d'essayage personnelle. Blousonesque, bendoïque. Ils essayent, repartent heureux et plus pauvres. S ou pas S? Oh, ça va bien. On est bien. C'est bien là. Je fais comme les vendeurs de fringues là. Ouais. Ah oui là. Oh. Ah oui. Il t'en faut deux même. Tout à l'heure on a fait ça. C'est une persillade, seitan, petit champignon de Paris, pignon de pain, et au moins 14 euros de pignon de pain. Vas-y, donne une estimation du prix de ça. 5. Non. Non. 10 euros. 10 euros. Ouais, j'étais pressé. Donc là on a fait ça, après je vais faire un boboon. Tu vois c'est quoi un boboon? Ouais, c'est un bol. Oula, enfin pas seul. C'est un bol avec enfin je sais pas ce qu'il y a de... Précisément. Ça, c'est mon studio personnalisé. C'est là que je réalise mon art. Tu vois, on fout de la bouffe là, on met de la petite déco et tout et BAM!
Ça te fait des photos rares du commun. J'étais pas prêt. Mais crainte. Ah, tu ne crains rien ici. Franchement, on est œil avec nos petits sols d'honneur. Ouais, vous êtes beau. Tout est calculé. Tout, tu ne sais pas, toi. Je vais te jeter des bâtons, tiens. Arrête. Oui, ça fait partie du taf. Mais c'est donnant-donnant, tu peux m'huiler aussi. Moi, je suis réceptif à ça. Oh, mais tu sais que je suis pas comme ça, moi. Bah non, toi, t'es quelqu'un de bien. Évidemment, sauf que t'as combien d'abonnés? Et ça paye pas. Être quelqu'un de bien, ça paye pas. Ok, moi, je suis quelqu'un d'un peu moisi, et je veux tâter d'un mille. Si j'étais vraiment infect, là, on verrait les résultats. Et je peux le prouver. Je sais pas comment, mais... C'est bon, on a un vlog là. Tu l'es converti? Assurément. Moi j'attends toujours la brouette de Monster envoyée par, bah, par Monster. Franchement, une fois, je t'ai dit ça, que j'étais une fois en contact avec un mec de chez Monster. Une fois. C'était par Snap, le mec était bourré. Quoi? C'est pas le blague. Au milieu de la nuit, il m'envoie des snaps bourrés. Il me dit, ah je suis bourré mec et tout, mais faut que je te dise, je travaille chez Monster. J'ai grave envie de te hook it up, tu vois, tu sais, le mec il est corporate, il te parle. Bien sous l'instant, c'est moi. Je vais parler de toi parce que c'est vrai qu'on sponsorise pas les youtubeurs dans heavy metal, gaming ou sport. Sport extrême, ils sont les plus connus pour ça. Mais on pourrait quand même, avec toute la pub que tu me fais, on pourrait t'envoyer au moins des monsters ou quoi, tu vois. Moi j'avais snappé, je lui avais répondu, j'avais dit écoute, moi c'est une brouette et puis je suis content, tu vois. Il m'a pas répondu. Je comprends pas, j'ai géré la chose professionnellement. Enfin, en tout cas, plus que lui qui était bourré la nuit, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Très bon. Il a fait non avec la tête. Ça prend pas un mentaliste pour voir que bon. Non, en vrai, ça va, t'es bien. Il a fait oui avec la tête. En fait, Naoufel, pour ceux qui ne sauraient pas, monsieur, pourquoi il est là, quelque part? Ouais. C'est la personne qui a designé non seulement ma bannière, qui est comme ça, qui est magnifique, et qui a fait aussi le récent design de mon futur mug. On ride pour les jouets, Joe. Il est très très doué, il est surtout très sympathique. Voilà, il est très sympathique et surtout très doué. Ah, il fait non avec la tête, hein. Design sur lequel d'ailleurs vous avez voté sur mon Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, ça s'affiche ici, hein. Hâte vous en semez. Venez parce que je fais des votes parfois en story comme ça. Ça va réarriver de nouveau parce que avec ma marque Saltoner, je vais vous demander votre avis sur les différents produits qui arrivent. Parfois, il y aura deux solutions. Genre, ça je le prends en bleu ou en rouge, bon, je sais pas moi. Et ben, je vous demande à vous. Et vous répondez en story, donc c'est sympa. Vous avez voté pour ce design là. Et j'ai déjà demandé le devis. Je vais avoir des mugs jusqu'ici dans le bendo. Ça va être fantastique, ça c'est grand. Et là, vous faites, on fait de la bouffe? Ouais. Il y a un enthousiasme en plus. Est-ce qu'il y a une qualité que tu n'as pas, toi? Il est retombé dedans. Flashback. T'as goûté le plan à vous faire? Ouais. T'as kiffé? Ouais. Tu subscribes, like, achète les produits, Saltoner, bluesensoleil.com, tâche énorme et autres. J'achète le prochain book. Il a fait non avec la tête. Dans ce bowoon, environ 400 calories. Donc le prochain book qui sort, hein, ça va être pour ceux qui veulent s'amincir, qui veulent sécher, faire apparaître les abdos, tout ça. Toutes les recettes ne seront pas riches en protéines comme c'était le cas de mon précédent. Il y en a où c'est le cas. Ça dépend. C'est pour tout le monde. Je veux que ça puisse s'adresser à ceux qui font du sport, qui veulent vraiment devenir des gros bougues secs. Ou aussi bon, la ménagère, quoi. Quand du bide. Tu sais, le papa avec son bide à bière. C'est pour tout le monde. Le végétalisme, c'est pour tout le monde. Tous les repas vont être entre à peine 250 et 700 calories. Sachant que ceux qui vont toucher les 700, ils sont très rares dans le bouffe, il n'y en a que quelques-uns. La plupart, c'est dans les 400-500. Je suis enthousiaste. Tu es enthousiaste? Ouais. Putain, on a fait. C'est quoi cet enthousiasme chelou, quoi? T'as reçu quel type d'éducation? Tu peux m'en dire ça? Ça filmait. Le naturel. Il est au rendez-vous. Attends, il va être naturel. Merci beaucoup. Oh, de rien, t'inquiète. C'est ce mec-là qui est responsable de ça. Qui a mis un Nico de Lambeau sur ma Clio. Il y a quand même un bon message derrière. Vis ta propre réalité. T'es soit dans le déni, quoi. Vis un mensonge, ça va bien se passer. Une journée qui se finit. Je te remercie beaucoup. Merci à toi pour tout ce que tu obtiens, tout ce que tu me donnes. Ce Naoufel me donne de son temps et de son talent, donc c'est très sympa. Ouais, c'est rien, enfin, de le faire avec plaisir, donc pas de...
Là, je verrais bien un petit slow-mo et on s'embrasse, tu vois. Ça, ouais. Sache que ça aurait pu se faire. Je vais bien pour un câlin. Si, Nofel. Merci beaucoup. Il est bien habillé désormais, c'est cool. On voit bien quand même. Moi, je m'intéresse beaucoup aux âmes, vous voyez. L'âme. Je suis persuadé que vous voyez. Et j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens qui me touchent par leurs âmes. À chaque fois, c'est. Vas-y, back to you, Blouson. Oh, merci, Blouson. J'étais en train de faire un petit peu de lecture. C'est mon propre livre. Le lien est dans la description. Qu'est-ce que c'est que cet éclairage? On voit bien, là? Ouais, c'est bon. Maman, je suis une star. Là, tu es sous la lumière. Tu es un sunflower. Ok, ouais. Quelques news, les amis. On avance bien sur le book de recettes. Végétal, sans calories, vegan, tout ce que tu veux, mec. Donc, regardez, on a pris quelques photos. Je vous spoil pas tout. Je vous en montre juste quelques-unes. Ok. Ah, c'est très, très artistique. Évidemment, c'est nous qu'on l'a fait. Évidemment, c'est sûr. Autre news, mon épaule ne se répare pas, je vais faire des chorégraphies, des radiographies. Pourquoi il nous parle de sa vie? C'est parce que c'est en rapport avec mon contenu, de faire une sèche et tout. Dès que mon épaule va bien, on fait la muscu, t'as vu? Mais là. On perd du tour de bras, mais bon. Ça me libère du temps pour avancer dans d'autres projets. Peut-être que c'est la vie qui m'envoie une opportunité après tout. En tout cas, c'est à ça que je me raccroche pour pas me pendre. On va se laisser là les amis, merci pour votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous procurer les t-shirts si vous voulez faire partie de ce mouvement de personnes qui révèlent leur propre potentiel, qui sont simplement eux-mêmes et qui n'ont pas peur de le montrer. Vous le mettez où vous voulez, enfin, allez, rien à foutre. Donc, soultoner.store, j'ai fait un point store parce que tu sais, le point com était pris. Bon, allez, moi je vous laisse les amis, bisous, à la prochaine. C'est génial, c'est bien. Où est-ce que je voulais en venir? Il faudrait que tu coupes ça comme ça, tu vois. Moi, je vais te prendre par derrière.